Nos amis musiciens qui nous viennent de Métrennes, l'harmonie municipale de Métrennes, bel ensemble qu'on a toujours beaucoup de plaisir à apprécier. Merci à nos géants qui vont également aller se refaire une petite santé. Bravo mademoiselle, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est vrai qu'il en faut beaucoup du mérite pour travailler avec un géant sur un parterre en pavé. C'est pas le pire, hein, loin s'en faut, hein. Surtout que la demoiselle a 14 ans. Alors, comment elle s'appelle, la demoiselle qui a 14 ans? Comment? Marine. Marine. Eh bien, mesdames, messieurs, je vais vous demander d'applaudir Marine, parce que c'est un sacré boulot qu'elle fait. Et elle est toute souriante, toute transpirante aussi, mais ça, c'est normal. Marine, vous êtes à l'image de ce que tout le monde recherche aujourd'hui dans le monde des géants portés. Ce sont des gens qui vont reprendre l'affaire, qui vont suivre les porteurs. On a des porteurs très valeureux qui ont passé les 60, 65, 70 ans, 75 ans, qui s'acharnent pour garder la tradition, mais ça ne pourra pas durer in vitam aeternam. Il faut des jeunes et vous êtes cette image. Merci encore à vous et bravo. Allez Marine, au repos. Avec la musique de Métrennes, tout le monde va, enfin pas au lit, mais du côté de la rue Neuve. Et nous allons accueillir d'autres géants qui vont faire leur entrée sur le carré magique. Merci monsieur. À tout à l'heure. Voilà, voilà. Oui, Guillaume, Guillaume. Je suis là, s'il vous plaît. Ah. Je laisse la parole à monsieur le maire, qui veut dire un petit mot. Voilà, bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous voir aussi nombreux sous un soleil éblouissant. Je m'associe évidemment à vos applaudissements, à l'hommage qui a été rendu aux amis de Nantes qui préparent cette ronde depuis plus de 2 ans. Vous savez qu'avec le Covid, ils ont eu la douloureuse habitude de remettre cette fête. Voilà, on est très heureux de vous voir. Je me tais une minute. Une partie des géants de Steenvoorde. Vous savez que Steenvoorde et ses hameaux, c'est la capitale, on n'a pas peur de le dire, c'est la capitale mondiale du géant porté, tant il y a eu de grands événements ici et de grandes familles de porteurs.
Vous observez tout de suite deux grands géants avec deux porteurs, des équipes de porteurs très très renommées qui ont acquis une expérience extraordinaire. Vous avez ensuite un petit géant qui est Jacobus, symbole de l'école de formation de porteurs de géants au sein des Amis de Fromulus, l'association qui gère le géant de Steinvorn, Jean le Bûcheron, Jacobus bien sûr, mais également Marion, géante qui nécessite un seul porteur et qui n'a aucune entité de quoi que ce soit vis-à-vis de Jean le Bûcheron, je préfère le dire. Et puis, remarquez et appréciez cette extraordinaire géante. Regardez ce visage et le regard qu'elle a, c'est un peu symbolique parce que ce sont des traits dont on a l'impression que ça a été réalisé par des enfants. Il s'agit de la magnifique Lecher du Rivel de Rosalie, 3,85 m, 85 kg, deux porteurs. Elle vendait du lait de porte en porte dans le hameau du Rivel. C'est une géante qui a vu jour en 1931. Et vous allez apprécier combien il fait bon vivre au Rivel, puisque cette géante a péri incendiée, vive, faute d'attention, m'a-t-on dit dans les livres d'information. Voyez-vous comme quoi c'est extraordinaire au Rivel, on vit bien et c'est magnifique. Ça va, messieurs? Ça se passe bien? Je préfère vous dire, la chope est loin. Hein. Prenez votre mal en patience, c'est pas fini. Cet ensemble de géants, mesdames, messieurs, est dirigé par une harmonie exceptionnelle qui s'appelle The Last Drop, qui a interprété une partie du spectacle d'hier soir dans notre magnifique salle Saint-Exupéry et qui y répond présent cet après-midi. Bon, les visages sont cernés, les bouches sont sèches, mais pour le reste, il me semble que vous avez bonne mine, mesdames, messieurs. Je me permets de vous féliciter pour votre présence. Toto, vous êtes prêts? Toto est carrément prêt, mesdames, messieurs, pour interprétation d'un nouveau morceau de musique. Messieurs les porteurs, mesdames les accompagnatrices, c'est à vous pour faire le show. Et je n'avais pas remarqué, excusez-moi, la présence également de Benoît et Catherine, artisans faisanciers de Dèvres dans le Pas-de-Calais. Benoît mesure 3,50 m, pèse 60 kg. Et Catherine, 3,40 m et 55 kg, chacun nécessite un porteur. Benoît est né en 1930, ils représentent tous deux les corporations de marchands, colporteurs et de faïenciers de la ville de Dèvres. Voilà, là vous avez tous les styles de géants portés. Vous avez les géants par couple, vous avez les géants par un seul porteur et vous avez l'école de géants. Voilà, si vous voulez vous faire une idée, il n'y a pas mieux. Le tableau est complet, avec une bonne musique en plus. Ça coûte rien. Et si vous saviez à quel point ça fait plaisir aux porteurs, ça leur fait chaud au cœur, naturellement. Allez! Et vous pouvez chanter aussi.
compliqué de faire bien. Vous voyez ça? Alors, on va demander à nos amis de faire un petit salut. C'est pour moi. Bon, monsieur le maire, c'est Rosalie qui vous tend la joue. Allez, au repos, mes petits enfants. Bravo à vous. Retour prévu avant la fin de la journée. Et regardez, Rosalie, regardez comment elle est partie. Donne un baiser. Ça va? Et c'est reparti pour un tour. Voilà comment danse un géant. Non seulement il tourne, mais remarquez bien qu'il monte et qu'il descend. C'est la puissance des forces, des porteurs. Voilà, qui se déchaînent et qui vont vous faire rentrer dans la transe de la danse des géants portés. Jean le Bûcheron, seigneur de Steinvoorde, qui a fait tourner sa hache autour de sa tête et dessus sa tête plus vite que les ailes des moulins de nos Flandres pour chasser l'envahisseur normand, seigneur de Steinvoorde. Et remarquez aussi la beauté de Jacobus et de Maria avec des traits totalement différents. Ils sont remarquables. Et la zone qui chante et qui joue. Allez-y, mesdames, vous pouvez chanter, messieurs aussi, les enfants, c'est pareil. Tout le monde peut y aller, ça coûte rien. Et qu'est-ce qu'on est bien! Il y a quelques jours, lors d'une belle festivité à Hautecarque, hein, on s'en souvient aussi, ouais, mal au crâne, hein, le lendemain, terrible. André Le Meunier d'Hautecarque et nos ensembles, notre ensemble de trois géants est accompagné par une fanfare qui nous vient de Stabek, le progrès stabekois, qui nous fait l'amitié de sa présence et l'honneur de sa présence cet après-midi. Voilà donc André Le Meunier d'Hautecarque qui a été baptisé le 30 avril, vous voyez qu'on a vraiment des genoux, le 30 avril 2022, grâce à l'association de ses pères, l'association de Hautecarqueuse, et qui nous fait elle aussi l'amitié d'être des nôtres aujourd'hui, et qui nous permet d'apprécier donc un géant, vous voyez, au très très particulier, encore une fois, réalisé et conçu et réalisé en Espagne, léger dans son portage, mais dont vous pouvez le remarquer encore une fois, les détails sont très travaillés, notamment là, regardez bien, la visière, l'accès de vision du porteur a été travaillé quasiment avec une découpe de dentelle, c'est remarquable.
retrouve elle aussi le comment dire son qui retrouve son intérêt pour les chiens portés, alors que par manque de et par carence de porteurs, elle avait dû changer son mode de déplacement. Mais alors, oui, on revient à des géants portés. Merci, chef, pour votre prestation. Merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, André Le Meunier, Dunkerque, tout nouveau géant qui nous vient donc de nos Flandres et qui vient grossir les rangs. C'est une bonne chose, des géants portés. C'est rien d'avoir, de faire des géants portés, c'est rien, vous savez. Ce qui compte, c'est que ça dure et que ça perdure. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite à notre ami André. Ils étaient accompagnés donc du progrès stavécois de Stavec. Ah ! En voilà un qui n'est pas bien fier, puisqu'il s'agit d'Éloi l'agriculteur, qui nous vient de Huitzel, mesdames, messieurs. Ce forbon, oui, oui, il mesure 4,20 m, pèse 65 kg. Et il nécessite un porteur pour être déplacé. Son histoire n'est pas très belle au départ, puisque sachez que ce jeune agriculteur de 30 ans était parti en voyage, abandonnant famille et parents dans la ferme familiale. Mais il était parti d'ailleurs avec ce beau bouquet de blé qu'il porte à la main droite. Mais très vite, il s'est lassé des voyages et était nostalgique de sa contrée flamande. Il est revenu très très rapidement. À Huitzel, je vous demande d'applaudir Éloi l'agriculteur. Il est accompagné de Thomas le mousquetaire, que l'on connaît de longues années. Il nous vient de Zuidpen, c'est le mousquetaire du roi. Et Fiacre II, le jardinier, qui lui, nous vient d'Oxelar. Et nous avons également une quatrième géante. Là, cette fois-ci, c'est encore l'illustration de ce que je vous expliquais, les écoles de portage, avec Adélaïde, fille de Thomas, qui l'accompagne dans ce déplacement dominical. Et qui c'est qui n'accompagne aussi tout ça? Mais c'est cassé l'harmonie, mesdames, messieurs, qui est descendu de la montagne, après les fêtes du lundi de Pâques, il y a 3 semaines. Qui nous fait l'amitié d'être des nôtres cet après-midi. Merci à vous. Vous pouvez applaudir l'ensemble et très chaleureusement, s'il vous plaît. Merci. J'en ai oublié un, mais il est caché dans mon dos. Vous imaginez ? Guillaume de Rubrook. Pourtant, avec un aussi joli prénom, mesdames, messieurs, avouez que c'est un comble. Hein. Eh bien, Guillaume nous a rejoint aussi. C'est un géant tout à fait emblématique de l'histoire de la commune de Rubrook et qui est déplacé par deux porteurs. Portage relativement compliqué car l'habitacle est assez restreint, il est assez petit. Ce qui fait que l'art du déplacement n'en est que plus difficile à réaliser. Je vous demande encore une fois d'applaudir le travail de mesdames, messieurs, de nos porteurs aujourd'hui, particulièrement valeureux, parce que vous l'avez remarqué, la nature s'y est mise. Elle s'est dit, bah tiens, c'est bonjour pour faire bien, plus un nuage, vous pouvez regarder, il n'y a plus rien, si ce n'est que sous les jupes, il fait davantage et davantage et davantage encore chaud pour les porteurs. Vos applaudissements n'en sont que plus mérités pour le travail qu'ils réalisent.
Alors, je vous fais observer également, mesdames, messieurs, la richesse culturelle que représentent les géants portés, car on parlait de Guillaume de Rubruck, on parlait de Fiacre, d'Oxelard, on parlait du mousquetaire, de Zuidpen, et on n'a pas suffisamment de temps pour à chaque fois évoquer les légendes que représentent ces géants, mais si vous voulez en savoir plus, penchez-vous sur l'histoire de ces communes et vous allez découvrir ce pourquoi il y a un Thomas le mousquetaire, il y a un Fiacre, etc., etc. C'est vraiment très intéressant, vous verrez qu'il y a énormément de choses qui se rapprochent soit des légendes, soit d'histoires réelles, réellement vécues, et très souvent ce sont des personnages qui sont représentés en tant que géants et qui ont existé et qui sont référencés et qui apparaissent dans l'histoire des communes que nous vous avons citées. C'est vraiment très très intéressant. Si vous voulez vous pencher sur ces choses-là, vous verrez que c'est particulièrement enrichissant. Je vous demande à nouveau d'applaudir, s'il vous plaît, comme il se doit, nos géants et Castel Harmonie, qui nous fait l'honneur de sa présence cet après-midi. Merci, chef. Ça va ? T'es bien, hein, Pac ? Formidable. T'as pas eu soif, hein, Pac ? Terrible. Pas eu le temps d'avoir soif. Formidable. Monsieur le commissaire Duvette, ça suit ? Je voudrais dire un petit mot concernant la musique de Cassel par rapport aux géants portés. La musique de Cassel, c'est celle qui joue pendant 7 heures durant et sans s'arrêter le même air pour suivre les géants cassellois, Rose Papa et Rose Maman. C'est une prouesse qui n'est nulle part égalée. Je me permets de la signaler, si vous ne connaissez pas cet art, qui est invraisemblable parce que ça devient totalement ensorcelant, il faut aller le lundi de Pâques au carnaval à Cassel, vous allez tomber bien haut de votre estrade, vous allez découvrir un truc invraisemblable. Alors, comment ça va ? Bah ici, tout va bien, mesdames, messieurs, puisque nous poursuivons notre présentation de géants et sur vos catalogues, voici venir Gérardus. Attendez, parce que là, avec le vent, ça ne va pas bien se passer. Gérardus Mercator, le mathématicien géographe, qui nous vient de Rupelmond, en Belgique. Reuze van Rupelmond et Toubac, le fraudeur de tabac, qui nous vient d'Erso, lui aussi de Belgique. Ils sont tous les deux accompagnés de l'harmonie municipale de Saint-Jean-Scapelle. Un beau petit boy tout bleu, bleu océan. Ouais, ça c'est bien. Et puis voici, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, Marie-Louise et Benjamin de Nemours, le Benjamin de Nemours qui est vétérinaire et qui nous viennent tous les deux de Bouvigny. Et alors on en a un qui est chaud là. Alors lui traverse tout d'un coup. Voici, mesdames, messieurs, venir, si je ne m'abuse, Christine Glorieux et Nicolas Liagre, géants de Doutigny en Belgique. Alors là, eux sont chauds, hein. Je pense qu'ils ont bu 2-3 petites bières en attendant de rentrer dans le carré. Et c'est parti. Notez les deux oppositions de style entre géants réalisés en Espagne et en Catalogne et des géants qui sont plus traditionnels réalisés dans les pays nordiques, Belgique ou Hollande, avec des constructions plus anciennes forcément et très travaillées, des profils particulièrement saisissants. Et encore une fois, plongez-vous dans le regard de nos géants et vous verrez que ça ne peut pas vous laisser indifférent. Regardez-les, restez en face. Regardez-les, prenez le temps, soutenez leur regard et vous verrez qu'à un moment ou un autre, vous allez avoir la chair de poule, tant ils sont beaux et révélateurs d'une culture qui nous est propre et que vous êtes venus apprécier cet après-midi. Et nous en sommes particulièrement fiers, sachez-le.
à l'heure de baptisés récents, de géants tout récents. Je me permets de vous annoncer que Marie-Louise, qui est ici, eh bien Marie-Louise a été baptisée vendredi dernier. Vous voyez, encore une toute jeunette, monsieur le maire, qui vient pour la première fois dans votre commune. Avouez que la sélection réalisée par nos organisateurs, les amis de Gambrinus, c'est tout à fait remarquable. Alors, Marie-Louise, c'est l'épouse... Attendez que je m'y retrouve dans mon affaire, de Benjamin, le vétérinaire. On est d'accord. Parce que Benjamin ne voulait pas rester tout seul, donc on a trouvé Marie-Louise, qui a un charmant panier d'ailleurs. C'est pourquoi on dit que Marie-Louise met la main au panier. Tout le monde le savait. Vous en avez tiré la déduction, me semble-t-il, madame de Huizère. Bravo, magnifique. Voilà, vous pouvez les applaudir à nouveau. C'est magnifique géant. Appréciez quand même le travail. Et à chaque fois, regardez bien, regardez les étoffes, la qualité des tissus, les coutures. Alors, on dit c'est grand, donc ça ne verra pas le détail. Que nenni, au contraire, c'est comme ça qu'on les voit. Et c'est comme ça qu'on peut les apprécier lorsqu'ils sont réellement de très haute qualité. Voilà. Allez. Voilà, vous apprécierez également la présence d'une toute petite demoiselle. Regardez, je parlais tout à l'heure d'école de partage. Eh bien là, vous avez une toute petite jeune fille qui est en train de jouer des maracas, qui ne doit pas avoir plus de 6 ans. Formidable, c'est comme ça que les formations évoluent et que la relève s'affiche à l'horizon. Bonne chose. Alors... ce que vous allez découvrir, là, mesdames, messieurs, je vais vous le dire tout de suite, c'est un phénomène exceptionnel, unique en son genre, le seul répertorié en Europe, et donc quasiment dans le monde, pour l'instant, on n'a jamais eu de preuve de contraire. Voici Totor, qui nous vient de Steinberg. Et si vous regardez sous les jupes de Totor, vous allez compter, il y a 5 porteurs. Ça n'existe pas, faut pas chercher et dire si j'en ai déjà vu, non. Eh bien là, il y a 5 porteurs. Vous avez un porteur de tête, un porteur arrière et 3 porteurs sur une ligne. Ça fait bel et bien 5. C'est très très compliqué à gérer parce qu'en fait, vous avez un centre d'inertie qui n'est jamais précis, absolument jamais précis. Donc là, il faut travailler, il faut avoir un ensemble qui soit excellemment pertinent. Et là encore, quand je vous ai dit que vous alliez découvrir les qualités et la difficulté de l'art du portage, je vous le présente ici, mesdames, messieurs. Je vous demande d'applaudir les 5 porteurs qui sont en train de faire vibrer Totor comme jamais sur la place du centre-ville de Stavre. Allez, vous pouvez les applaudir encore, s'il vous plaît. Ça vaut plus que ça. Totor. Il est accompagné, Totor, il y a un truc à vous dire après, mais je ne vais pas te dire tout de suite. Totor, il est accompagné par l'harmonie municipale de Steinberg. Bien ça, c'est le progrès steinbergois qui a été créé en 1869. Regardez comment, c'est pas vous? Oh, bon, alors, il y a la moitié qui me dit oui, c'est bon, mais l'autre, bon. Alors, je ne sais pas, attendez, je vais venir vous demander. Quand on ne sait pas, le mieux, c'est de demander. C'est comme pour sa route. L'harmonie de Steinberg fête ses 210 ans cette année. Donc les autres, c'est des gamins. Si on veut. 210 ans, mesdames, messieurs. Pour cette harmonie, je vous demande de l'applaudir également. Et je vous présente mes excuses pour cette erreur. Pas d'où ça vient, mais bon. Nous allons vous écouter, vous accompagner 3 géants dont nous reparlons tout de suite après.
l'harmonie donc de Steinberg accompagne Paul l'aventurier, dont le métier est torréfacteur. Il nous vient d'Herzel, une commune qui n'est pas très loin d'ici. Magnifique commune d'ailleurs, d'Herzel. Et puis Magnol l'échoppeuse, qui nous vient elle aussi d'Herzel. Regardez le déplacement de Totor, c'est pas croyable, c'est vraiment un travail fantastique. Je vous invite encore une fois à mémoriser ces moments, parce que quand je vous disais tout à l'heure que c'est difficile de trouver des porteurs, c'est difficile de faire et de créer des vocations, et bien là vous avez le résultat de gens qui consacrent du temps à un travail pour un résultat qui est formidable, exceptionnel, que vous pouvez apprécier aujourd'hui, qui plus est accompagné par l'harmonie municipale de Steinberg, qui, je vous le rappelle, si vous ne le savez, fête cette année ses 210 ans d'existence. Georges Delizet, l'écrivain, Alix de Namur et Baudouin IV de Hainaut, l'harmonie royale union de Lorette.